Par ce geste, Jackie vient d'être consacré dignitaire de la cour royale de Dewa, un petit village de Djougou. À l'occasion de sa 65e année de vie, les populations de Dewa, par le biais de la cour royale, ne se sont pas ménagées. Jackie a retrouvé le sens de sa naissance et l'incarne dans sa plénitude. Il appartient à chacun de nous de devenir ce qu'il est et de vivre suivant sa propre vision du monde. C'est très intéressant de voir comment on fait une cérémonie ici. Voir la danse, la gens danser, les gens rester tous ensemble. Ouais, c'est très, très joli. Voilà ce qu'a vécu Jacques. Et c'est ce qu'il va vivre encore pendant les prochaines années. En effet, depuis son retour sur la terre africaine, cette terre où il a été conçu, cette terre sur laquelle il a fait ses premiers pas, il essaie de rendre à la société africaine, et plus précisément à la société béninoise, ce qu'elle lui a apporté. Mon nom de baptême, c'est Déodore. En langue yom, ça veut dire l'homme de Dewa. Et pour moi, c'est une grande fierté parce que ça fait 4 ans que j'ai commencé à construire les maisons ici. Le domaine Nakayo est pour lui un champ d'expérimentation où il essaye de tourner sa retraite au service des autres dans des relations d'amitié, le plus pur des sentiments humains. Et avec la petite pompe, ça va couler. Mon ami était nommé notable et c'est un honneur pour nous les Blancs de perpétuer les traditions africaines. Je pense qu'il faut absolument continuer ça, hein, et pouvoir vivre et être heureux parmi quelle que soit la race, que ce soit les Blancs ou les Africains. On est là pour s'amuser et pour rire. Le domaine Nakayo, c'est des jardins botaniques, de l'élevage de la pisciculture, des bungalows pour accueillir les invités dans de meilleures conditions. Comme celles qui sont à côté du feu, mais avec le dessus de pierre.
Bon, les tatas, vous connaissez, hein. Et quand, quand il est monté, ses ouvriers pleuraient, tout le monde, et lui aussi quand il est arrivé en France. Nakayo, c'est aussi la grande maison qui surplombe tout un domaine. De plus en plus d'oiseaux qui viennent se reposer ici. Oui, et des que je ne connais pas la semaine d'avant. Ils viennent de plus en plus. Sinon, pour chasser, alors les chasseurs sont contents, ils se mettent autour. Le domaine Nakayo, c'est son tata construit et entretenu qui vous accueille. C'est pas en mettant des maisons en béton couvertes en tôle qu'on se donne un statut. Pour moi, la tôle, c'est chaud et c'est bruyant, surtout quand il pleut. Donc la paille, on prend plaisir à être sous la paille quand il pleut. Parce qu'il y a un bruit assourdi, il fait frais, ce qu'on n'a pas du tout dans les maisons en tôle. Et c'est le frais est encore accentué par les murs en terre. Si j'avais des murs en béton et de la paille au-dessus, on n'aurait pas cet effet comme on a ici, où on utilise l'air et où on a la fraîcheur des murs grâce à la terre. Je l'ai nommé depuis Tanikabiri et je crois qu'aujourd'hui il ne m'a pas oublié. Il va prendre la responsabilité des rois des blancs qui sont ici. Donc ça veut dire que c'est parce qu'il a été honnête, un homme de bon de caractère et un homme qui est libre, qui n'a jamais fait la tradition.